Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, au Conseil de l'Ordre du 19 janvier 2023, nous avons abordé les sujets suivants. Nous avons voté le budget prévisionnel pour l'année 2023 et je vous rassure, il est à l'équilibre. Il a également été présenté une charte anti-harcèlement et discrimination. Nous avons également abordé un point d'actualité, la réforme des retraites. Nous avons également voté une motion sur l'Iran, ainsi que l'achat de matériel permettant la projection sur une façade du barreau. Nous avons également eu la visite de M. Philippe Grousset, avocat associé du cabinet CMS Francis Lefebvre, pour nous présenter le passage du statut des associés de sociétés d'exercice libéral, actuellement en TNS, obligatoirement en BNC. Il a également été présenté les commissions choisies par la bâtonnière Isabelle Clanet ainsi que le vice-bâtonnier Fabien Araquelian. De nouveaux modes de fonctionnement ont été débattus et votés au Conseil de l'Ordre d'aujourd'hui, et notamment la présence systématique de notre secrétaire générale, Elisabeth Goussu. Nous avons également voté la mise en place du vote électronique. Également été débattue et votée la présence d'un avocat honoraire en tant que membre du Conseil de l'Ordre avec voix consultative. Restons concernés. Restez connectés.